Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo speeddrawing. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, mais comme vous le savez, tout ce qui est dessin est quand même assez secondaire sur ma chaîne. Donc moi, je préfère me concentrer sur les critiques et les jumps qui, mine de rien, me prennent beaucoup de temps chaque semaine. Donc pour cet épisode, je vous ai d'ailleurs laissé l'embarras du choix entre Meruem de Hunter x Hunter et Yotanwa de Kingdom. Et il se trouve que vous avez opté pour Meruem en grande majorité. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, je vais faire un rapide point sur la chaîne. Alors du coup, au niveau des sorties des demain, donc jeudi, il y aura un nouvel otabreak sur le manga français Double Me. Après, ce sera sûrement le jump de la semaine. On enchaînera avec la vidéo mangaka V2 sur Boichi, puis viendra ensuite la vidéo bilan du jump de 2017. Il se peut aussi qu'entre temps, je lance une nouvelle série de critiques sur la chaîne, puisque je reçois pas mal de mangas en ce moment. Donc histoire de tenir le rythme, je vous présenterai mes lectures du moment en sélectionnant 2 à 3 titres. Et d'ailleurs, je pense aussi en profiter pour parler de quelques scans de temps en temps et de mes lectures du moment globalement. Que ce soit au niveau des scans de One Piece, Kingdom, Hippo, ou bien des mangas un peu moins connus comme The Promised Neverland ou Garage Cross. Bon, je tiens quand même à insister que ce sera occasionnel, je compte pas faire des reviews sur tout ce que je lis chaque semaine, ça serait quasi impossible. Bref, trêve de blabla, je vous laisse avec le speed drawing en espérant qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker si ça vous plaît pour me motiver à me remettre au dessin, parce qu'au final ça cerisait ma salle au dessin. Il faut principalement de la motivation. Sur ce, bon visionnage à vous et à demain pour un nouvel auto-break. Thank you.
Oh.